On va exposer quelques idées essentielles sur Staline et la période de Staline en Union soviétique. On va essayer de le faire pendant en moins d'une heure et ça doit servir au débat dans les cellules ouvrières et dans les autres unités de l'organisation. Je vais en grand aborder deux parties et je vais introduire le tout en disant ou en me référant à aux dissidents bien connus en Occident, vivant en Allemagne, qui s'appelle Alexandre Zinoviev, qui, lorsqu'il était jeune, en 1937 et 39, a préparé avec quelques camarades un attentat contre Staline et qui a été en prison pour ça, et qui, après avoir vu toute la dégénérescence en Union soviétique et la restauration du capitalisme sauvage, a dit l'année passée, quand je parcours toute l'histoire de la Russie de ce siècle, je dois dire que Staline a été le plus grand génie politique du XXe siècle. C'était assez étonnant dans la bouche d'un homme qui a fait carrière comme anticommuniste. Dans un premier point, je veux aborder, disons sous un angle idéologique, la question de Staline, comme on dit, telle qu'elle est soulevée depuis une quarantaine d'années. La première chose que je veux dire, c'est que quand on voit la lutte de classe et quand on voit les luttes idéologiques au niveau international, il faut dire clairement et fermement que Staline et son œuvre représentent la classe ouvrière, représentent les forces révolutionnaires, représente les forces anti-impérialistes. L'attitude envers Staline est toujours une attitude de classe. Et il n'y a probablement aucune autre question idéologique qui exprime plus clairement la position de classe véritable des différentes forces qui se présentent sur la scène mondiale. Chez nous, dès qu'on est petit, on est éduqué dans la vérité que Staline était le dictateur, le terroriste, le criminel, et vous pouvez y aller, tout est permis. La première chose que je veux dire en écoutant tout ça, c'est qu'il faut bien se rendre compte que tous les révolutionnaires et tous les mouvements révolutionnaires, dans toute l'histoire, ont été traités exactement avec les mêmes termes par les classes réactionnaires. Vous pouvez commencer par la Révolution française, la façon dont la terreur de la Révolution française a été traitée. Vous avez mot par mot ce que, de façon courante maintenant, on nous jette à la tête à propos de Staline. Vous pouvez prendre la Commune de Paris. Vous avez exactement la même chose. Donc ça commence par Marx. Et dans l'exposition ici, il y a un tableau assez intéressant à ce propos. Donc vous avez ici quelqu'un avec une hache pour couper la tête aux gens qui se trouvent liquidés ici. Les maisons sont en flammes et normalement vous attendez de voir Staline ici, mais vous voyez le vieux Marx. Donc c'est un dessin anticommuniste et antisocialiste belge. Ce qui m'intéresse, c'est de souligner que depuis Marx, vous avez les mêmes accusations de dictature, de Tout ce que vous avez entendu sur Staline, vous l'avez sur Marx, vous l'avez sur Lénine. Le premier qui a été appelé par la réaction, le tsar rouge, en 1924-25, déjà, c'était Lénine. Quand vous voyez un pays comme le nôtre, où la campagne anticommuniste a battu le plus fort au cours des années 30, comme la Belgique est un pays assez catholique, on a eu un déferlement d'anticommunisme lors de la guerre d'Espagne. Et donc la révolution espagnole, la défense de la République espagnole, qui était attaquée par les fascistes, a été traitée exactement dans les mêmes termes qu'on traite de nos jours, à toutes les heures de la journée, Staline. Donc vous avez ici la guerre d'Espagne, donc c'est Staline qui met le feu à toute l'Europe,
qui tue les femmes, qui tue les enfants, qui tue les prêtres, les religieuses, comme vous voyez sur un autre dessin. Voilà pour les femmes et les enfants. Staline qui dit, voilà comme je suis, moi pour la non-intervention. Il s'agit de l'Espagne. Donc où les fascistes ont fait une insurrection soutenue par les fascistes espagnols, les fascistes espagnols soutenus par les hitlériens et les fascistes italiens. Mais donc c'est Staline qui intervient pour tuer femmes et enfants. Quand le nazisme s'est dressé en Allemagne, le point essentiel de sa propagande pendant toute la période hitlérienne, ce n'était pas du tout contre les juifs. Les juifs, c'était l'antisémitisme était un aspect important, mais l'aspect le plus important, vous pouvez le voir dans Mein Kampf, vous pouvez le voir dans toute la propagande allemande, c'est l'anticommunisme. Et donc vous avez là, c'est par Staline, vous avez le bolchevisme. D'ailleurs, c'était le bolchevisme qui était la terreur jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le stalinisme ne naît qu'en 1944, à la fin de la guerre. Mais donc c'est la mort, c'est des bombes, on brûle les villes, les maisons, on pend les gens. Donc les 30 millions de morts que vous connaissez de Staline. Il y a une chose intéressante à dire à propos des 30 millions de morts. En pleine campagne anticommuniste il y a quelques années, Brzezinski a écrit un grand livre anticommuniste bien connu. Et donc là, il dit que maintenant, on peut tenir pour certain que Staline a tué 30 millions de personnes en Union soviétique. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir d'où le chiffre des 30 millions de morts est surgi et comment il a été utilisé. Il y a peu de gens qui le sachent. Les 30 millions de morts de Staline, on les trouve ici. Donc c'est le Bible du nazisme qui a été écrit par Hitler en prison en 25-26. Et donc là, il parle des 30 millions de gens tués de façon barbare par le bolchevisme. Or, en 25, Staline n'a toujours rien fait de particulier. Les graves événements qu'il y a eu en Union soviétique à ce moment-là, c'est la guerre civile. Et on sait que dans la guerre civile, il y a eu 8-9 millions de morts à cause des interventions étrangères. Mais donc, les 30 millions de morts affreusement massacrés par le bolchevisme, ça a commencé par Mein Kampf et ça n'a pas cessé jusqu'en 1989 avec la grande campagne anticommuniste. Brzezinski, il est toujours là avec les 30 millions. Et donc, comment les gens sont conditionnés contre le socialisme, contre le communisme, contre la révolution? Ça s'exprime très bien dans cet exemple, où les nazis ont été l'avant-garde de toutes les forces bourgeoises et opportunistes. Je veux ajouter que quand on voit l'histoire de ce siècle, et on voit tous les pays du monde, tous les impérialistes, tous les bourgeois, tous les fascistes, tous les impérialistes se sont toujours acharnés contre Staline. C'est un phénomène assez intéressant à voir. Et surtout pour les gens qui commencent à militer pour la révolution, c'est un point extrêmement intéressant sur lequel il faut réfléchir. Comment ça se fait que tous les réactionnaires, tous les pires, s'acharnent avant tout contre Staline? Le point, c'est qu'il ne s'agit pas tellement de Staline. Il s'agit du marxisme-léninisme, il s'agit de la révolution qui a été incarné dans les dernières périodes, les dernières dizaines d'années par Staline. Et donc, la guerre antifasciste, c'est Staline qui dirige les terroristes en Belgique et en France. Donc, vous avez ici des terroristes avec une cagoule, ce sont des résistants. Mais donc, ils sont manipulés par Staline, et pour être plus précis, par le judéo-bolchevisme. Parce que vous avez le juif de service, et donc, c'est Staline qui incarne ce que le judaïsme
a de pire. Donc il y a l'idée du judéo-bolchevisme dans lequel c'est Staline qui est le maître. Et je veux souligner ici un autre point. La bourgeoisie, elle mène la guerre par différents moyens contre la classe ouvrière et contre les pays du tiers-monde. Or, depuis les nazis, la doctrine de guerre de la bourgeoisie, ça a été repris par toutes les bourgeoisies, est devenue assez complexe et sophistiquée. Dans tous les manuels, vous pouvez lire que la guerre politique et psychologique est déjà partie constituante de la guerre. Et que la guerre armée se prépare dans toutes les périodes de paix par la guerre politique et la guerre psychologique. Or, la guerre que la bourgeoisie prépare, c'est la guerre essentiellement contre la classe ouvrière. Et donc cette guerre, elle amène par des moyens plus ou moins pacifiques, par des flics, par des contrôles, par l'espionnage, par l'expulsion des révolutionnaires. Mais donc elle prépare psychologiquement et politiquement la guerre militaire. Alors, quand vous vous demandez, ils ont des milliers de spécialistes qui ne font que ça, préparer la guerre psychologique et la guerre politique. Mais de quoi est-ce qu'ils s'occupent? Eh bien, ils s'occupent de faire la propagande anti-staliniste, c'est-à-dire la propagande anticommuniste. C'est le nœud de toute la propagande, de toute la guerre politique et psychologique. Et c'était déjà le cas pour la bourgeoisie du temps de Hitler. Parce que Hitler, quand vous voyez l'occupation, Hitler, il a mobilisé surtout sur deux thèmes. Un, le danger du bolchevisme. Et deux, le terrorisme. Parce que les partisans en Belgique, dans la presse sous l'occupation, ce sont les terroristes. Alors, les deux mécanismes de la guerre politique et psychologique sous les nazis sont toujours là aujourd'hui. Donc, on conditionne les gens contre le stalinisme, contre le terrorisme. Le dernier exemple, c'est l'assassinat de Chris Hani, le dirigeant du Parti communiste de l'Afrique du Sud. Donc, lui était un homme avec des positions anti-impérialistes conséquentes, ou plus ou moins conséquentes, contrairement à Mandela, qui est un opportuniste achevé. Alors, quand on a assassiné Chris Hani, ça a été accompagné par une campagne contre Chris Hani de vicious Stalinist, un staliniste vicieux, et le chef des terroristes, parce que lui avait dirigé l'armée de l'ANC. Donc c'était sous Hitler, mais c'est encore aujourd'hui dans toutes les campagnes anti-révolutionnaires dans le monde. Et dans cette introduction, je veux souligner maintenant un dernier point. Ce que l'antistalinisme signifie réellement, donc son caractère de classe. Donc, laissons de côté tous les bavardages, tous les mots de gauche qui sont utilisés pour faire de l'antistalinisme. Donc quand on voit le véritable caractère de classe, je pense qu'on peut le voir le plus clairement dans ce qui s'est passé en Union soviétique les 5 dernières années. Donc Staline, il est mort depuis des dizaines d'années. Khrouchtchev qui est venu a démoli toute son œuvre. Il a démoli toutes les positions idéologiques et politiques de Staline. Brezhnev a continué, Gorbatchev a achevé le travail. Donc ça fait 35 ans qu'ils font une campagne anti-Staline. Soi-disant au nom du retour au léninisme. Ils allaient améliorer le communisme. Alors, quand vous voyez la propagande chez nous, en 89, donc à la télévision, chaque soir, il y avait la portion d'anticommunisme. Or, dans le mouvement anticommuniste qui a détruit ce qui restait de souvenirs au communisme en Union soviétique, on a vu s'unir tous les courants opportunistes. Tous les courants qui sont dans le fond anticommunistes, qui s'unissent sur l'anticommunisme. Vous avez vu les sociodémocrates, bien sûr, tous les révisionnistes, tous les sectes trotskistes, les écologistes, tous. Et la manifestation la plus claire de ceci, c'était au Parlement belge, au moment des événements de la Roumanie. Ils ont voté une motion pour condamner le communisme et le totalitarisme communiste.
Et donc, ça a été un vote à l'unanimité. Et alors, Annemans du Vlaams Blok s'est levé pour faire un commentaire sur le vote et il a dit « Je félicite tous les parlementaires, mais je veux tirer quand même votre attention sur le fait que il y a 30 ans, on était les seuls à défendre ces positions. » Et donc, pour une fois, le fasciste avait raison. Les fascistes, dans le domaine de l'anticommunisme, de l'antistalinisme, ont été l'avant-garde. Et on peut voir, dans cette campagne anticommuniste qui a liquidé tout ce qui restait de socialisme en Union soviétique, qu'ils ont rallié tous les opportunistes et toutes les forces bourgeoises et petites bourgeoises. Et ça n'a pas duré 2-3 ans avant que le véritable caractère de classe de toute cette démagogie qu'on a eue à ce moment soit clair. Donc on a eu les trotskistes qui ont dit qu'avec le renversement du stalinisme, la démocratie socialiste allait se développer. Les trotskistes disaient en Belgique, ont dit qu'en Tchécoslovaquie, on assistait à comment ils appellent ça, la révolution antibureaucratique. Et donc ça n'a pas duré 2 ans pour que même pour un aveugle, même pour un imbécile, c'est clair ce que leur propagande signifiait d'un point de vue de classe. Donc, en quelques années, qu'est-ce qu'on a eu? En 89, la bourgeoisie disait, en Union soviétique, c'est la crise, sous Gorbatchev, c'est la crise, parce que la croissance économique n'est que de 1%. Alors, 1%, c'est une situation intenable. C'est la crise. On a renversé ce qui restait, on a introduit le capitalisme, et en 4 ans, la production a augmenté de moins 50%. Mais donc, maintenant, ce n'est pas un problème. On avance dans la voie des réformes et de la démocratie et des droits de l'homme. Donc, chute de la production, la moitié de toute la production industrielle a été détruite. À la BBC, j'ai entendu il y a 2 mois une émission, et le correspondant à Moscou disait « Il faut bien constater que toutes les entreprises qui marchent à l'heure actuelle sont dirigées par la mafia. » Il disait ça comme ça. Et la BBC, c'est l'avant-garde dans la propagande anticommuniste. Ils ont été ça pendant toute la période avant le renversement. Aujourd'hui, en Union soviétique, en ex-Union soviétique, 80% de la population est au-dessous du seuil de pauvreté, selon les chiffres de Yeltsin lui-même. C'est presque impossible pour les gens de faire des enfants. Donc l'Union soviétique est le seul pays industriel au monde où la population est en train de chuter, où il y a plus de morts que de naissances. Et alors, on a les guerres civiles un peu partout. Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Tadjikistan. Et on a des attentats de la mafia et des tueries de la mafia dans toutes les grandes villes. Il y a au moins déjà 60 000 morts. Et donc, c'est une dictature féroce, mafieuse, d'une nouvelle bourgeoisie qui est absolument barbare. Alors, le sens de classe, hein, derrière les mots, la réalité de classe, des intérêts de classe de la campagne anti-staliniste sont clairs maintenant pour tous ceux qui veulent voir. Et bien sûr, il y aura toujours des gens qui ont intérêt à ne pas voir. Ça aussi, c'est un aspect de la lutte de classe. Alors, dans le deuxième point que je veux survoler, je veux parler des mérites historique de Staline. Et donc, je veux souligner les points qui, d'après moi, indiquent clairement que Staline est la figure politique qui a eu l'influence la plus grande sur les événements, sur le cours de l'histoire de ce siècle. Et que les réalisations en ce qui concerne le domaine de la construction du socialisme et de la lutte anti-impérialiste sous Staline sont sans pareil dans ce siècle. C'est bien sûr Lénine qui a donné les bases théoriques et politiques et idéologiques de la construction du socialisme en Union soviétique. Mais la réalisation en Union soviétique et dans le monde entier du socialisme et du mouvement pour le socialisme et anti-impérialiste, c'est Staline qui l'a fait. Je veux aborder cela en 10 points.
D'abord, je veux souligner le rôle de Staline dans la guerre civile de 1919-1920 essentiellement, qui a décidé finalement de la victoire de la dictature du prolétariat en Union soviétique. Et d'abord, je veux rappeler que parmi les dirigeants du parti bolchevique, Staline était un des rares qui est resté tout le temps en Russie et qui a toujours mené le combat parmi la population, dans la clandestinité ou dans les prisons. Donc la plupart des dirigeants ont dû fuir à l'étranger. Et beaucoup sont restés, presque de 1903, après quelques interruptions en 1905, à l'étranger. Et donc celui qui a eu l'influence et l'impact organisateur le plus grand pour le parti dans le pays, c'était Staline. Dans la Première Guerre mondiale, il a été arrêté, il a été renvoyé en Sibérie. C'était la cinquième fois qu'il avait été arrêté. On sait que la Première Guerre mondiale, c'était une guerre interimpérialiste, c'est-à-dire de tous les côtés, on battait pour la redivision du monde et on se battait pour avoir plus de colonies. Elle était injuste cette guerre des deux côtés. Et dans cette guerre, le peuple qui a le plus souffert est le peuple russe. Ils ont eu 2 500 000 morts. C'était un peuple qui supportait déjà le poids terrible du tsarisme, qui était le régime le plus réactionnaire et le plus cruel en Europe, et s'y ajoutait la destruction de la guerre et les 2 500 morts. C'est ce qui a fait que le tsarisme, qui était quand même devenu assez fragile, a été renversé en février. Mais la bourgeoisie et les sociodémocrates qui ont pris le pouvoir après février ont continué la guerre et ont continué à envoyer les gens dans les massacres. C'est ce qui a donné naissance à la révolution d'octobre, qui finalement a coûté très peu de vies humaines. Donc la révolution d'octobre elle-même n'était pas tellement sanglante. L'affaire est devenue sanglante quand tous les tsaristes, tous les bourgeois et tous les sociodémocrates, nos partis socialistes, se sont coalisés et ont envoyé Kerensky à Londres pour demander aux Anglais d'intervenir, ce qu'ils ont fait bien sûr de bonne grâce. Alors, l'armée anglaise est bien sûr, les Allemands sont venus d'abord, avant la fin de la guerre. Mais donc, une fois que les Allemands ont été défaits, c'est les Anglais qui se sont rués sur l'Union soviétique, c'est les Français, c'est les Tchèques, c'est les Japonais, c'est les Américains, c'est les Polonais. Et donc, il y a eu 8 puissances coalisées qui ont essayé de détruire l'Union soviétique naissante. Les bolcheviks sont sortis de la en octobre, quand la révolution a été réalisée, avec une équipe de 33 000 membres. Donc c'était un parti clandestin de quelques dizaines de milliers de membres. Donc extrêmement petite. Alors si les bolcheviks et leur ligne, leur politique, n'avaient pas l'adhésion de la masse paysanne, ce petit parti devait être balayé. Et donc, si ce petit parti a su gagner, pas seulement contre les tsaristes et la bourgeoisie, mais contre tous les impérialistes coalisés, c'est uniquement parce que sa politique correspondait aux intérêts des ouvriers, de toute façon, mais aussi de la masse des paysans. Et ça a été décidé dans la guerre civile, où les paysans qui n'avaient aucune formation, qui ne savaient ni lire ni écrire, qui n'ont jamais été touchés par des idées socialistes, ont dans la pratique vu qui veut donner la terre aux paysans. Il y a des régions où les paysans ont 5 fois changé de camp. Donc avec les bolcheviks pour avoir la terre, puis campagne anticommuniste, ils sont allés de l'autre côté. Il y a des régions où 5 fois. Mais donc finalement, dans l'ensemble du pays, la masse paysanne a fait son choix. Parce que seul le parti bolchevique défendait les intérêts des paysans et des ouvriers. Alors cette guerre civile a été le facteur décisif pour la construction du socialisme, et je veux souligner là-dedans le rôle important qui a été joué par Staline. À ce moment-là, c'est Trotsky qui était arrivé au parti seulement en 1917, donc le type n'a jamais appartenu au parti bolchevique. Et donc quand la faillite de toutes les fractions opportunistes et menchéviques a été prouvée,
Il ne pouvait plus rien faire d'autre que de rejoindre les bolcheviks. C'est ce qu'il a fait en 17. Et donc, il avait des grands talents d'organisateur. Il a organisé au niveau central l'armée. Mais celui qui a été envoyé par Lénine sur tous les fronts où il y avait des situations catastrophiques, c'était Staline. Et donc, Staline est allé d'un front à l'autre, là où les choses se décidaient dans le domaine militaire. Et donc, c'est aussi dans cette guerre que Staline, comme le seul dirigeant bolchevique, a acquis une expérience militaire sur le terrain, dans les batailles, qui a été extrêmement importante pour le déroulement de la Deuxième Guerre mondiale. Le deuxième point que je veux souligner, c'est qu'après la victoire de la guerre civile, c'est Staline qui a défendu la thèse léniniste de la possibilité de construire le socialisme en Union soviétique, en un seul pays, s'il le fallait. Donc les bolcheviks, Lénine, Staline, ont toujours été des internationalistes et ont toujours eu comme but suprême la révolution mondiale de la classe ouvrière. Et ils espéraient bien sûr que de la Première Guerre mondiale sortiraient des insurrections des ouvriers partout, en Allemagne, en France, en Belgique. Seulement le cours de l'histoire a été tel que l'insurrection des ouvriers en Allemagne, mal préparée par Liebknecht et Luxembourg, a été écrasée dans le sang. En France et en Belgique, elle n'a pas eu lieu. La bourgeoisie française, anglaise, etc., a essayé d'écraser le socialisme en Union soviétique. Ils ont échoué. Ils ont dû s'en aller. Parce qu'il y avait quand même une effervescence révolutionnaire dans leur propre pays. Alors, quand on est en 1920-21, on est avec cette réalité que le parti de la dictature du prolétariat a pris le pouvoir en Union soviétique seul. Et que partout ailleurs, la grande vague révolutionnaire a déjà pris fin. Il va encore y avoir des luttes, mais c'est juste après la guerre mondiale que les choses étaient les plus dures et qu'une révolution pouvait se faire. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Donc, on avait espéré que l'Allemagne fasse la révolution et la France, parce que, évidemment, si un pays moderne, développé, prend le chemin du socialisme, ce serait plus facile pour un pays arriéré comme la Russie de marcher main dans la main. Cela ne s'est pas passé. Qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Et donc, c'est là qu'il y a eu un débat qui a duré 5 ans en Union soviétique, entre Staline, Boukharine, Kamenev et tous les autres, et Trotsky. Donc Trotsky a défendu la thèse qu'il avait déjà en 1905, que c'est impossible de construire le socialisme dans un seul pays.